bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vous retrouve pour un petit tag qui a été lancé par Romilou, guidance et oracle, que j'ai vu ce matin. Je regardais comme ça une petite vidéo et je me suis dit, oh, ça serait sympa, parce que pour le moment, je vous mets beaucoup des reviews puisque j'en avais vraiment en retard, des reviews à vous mettre en ligne. Et je me suis dit, ça changera un petit peu et je l'ai trouvé vraiment sympa. Et donc ce tag, c'est deux oracles qui me font rêver en ce moment. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seuls jeux qui peuvent me faire rêver. Il fallait bien faire un choix et pourquoi pas refaire ce tag de temps en temps pour pouvoir vous montrer comme ça des jeux qui nous permettent vraiment une évasion, on va dire. Alors, le premier, c'est un oracle que j'ai déjà depuis un bon moment et que je vous montre quand même régulièrement dans les vlogs. Mais ça reste un de mes préférés au niveau des illustrations et il m'emmène très loin. Alors je dirais que celui-ci, il me fait rêver vraiment presque d'un autre monde. Alors que l'autre, vous verrez, il me fait plutôt rêver à ce monde-ci, à des endroits de ce monde-ci, on va dire. Donc celui-ci qui me fait rêver à un autre monde, c'est le Lemurian Starshall Oracle, donc de Leanne Carpenter et Michael Krohn, donc qui est un oracle basé sur les énergies lemuriennes. Donc il est en anglais, il arrive dans une grande boîte en dur avec du verre comme ça. Déjà rien que ça, rien que cette couleur là, c'est déjà ça nous emmène déjà ailleurs, je trouve. Il y a un gros livre. On ne peut même pas appeler ça un guidebook. C'est vraiment un vrai livre. Avec toutes les explications. Il y a des tirages. Il y a des tas d'informations aussi sur la Lémurie. Et puis, pour chaque page, pour chaque carte, vous avez deux pages à chaque fois. Une, deux, une, deux. Là, il y en a même plus. Trois, une, deux. Et vous voyez, c'est bien rempli. Là, il y en a trois aussi. Donc, voilà. C'est un livre qui est extrêmement complet. Et alors, ce qui me fait rêver, parce qu'évidemment, il y a d'autres utilisations aussi, bien sûr. Il y a tout le travail spirituel, mais on parle ici d'oracles qui font rêver, hein. C'est le sujet du tag. Et donc ici, c'est vraiment les illustrations qui m'emmènent dans un autre monde, je vais dire presque dans un nouveau monde. Donc on a des tranches dorées, les cartes sont assez grandes, assez hautes, elles sont mates. Ainsi le dos. Par contre, le dos, je ne le trouve pas exceptionnel. Voilà. C'est pas le dos qui me fait rêver. Mais alors, les illustrations. Elles sont splendides. Et je trouve qu'elles sont extrêmement vibrantes. Et c'est ça aussi qui fait que ça me fait rêver. Ça m'emmène vraiment dans un autre monde. Quand je vois, par exemple, cette illustration, j'arrive à me projeter dedans. Donc, ça me fait rêver. Ça m'emmène vraiment là-bas. Il y en a évidemment qui sont plus que d'autres. Mais même ici, vous avez les elfes, par exemple. Là, nous avons une illustration d'un elfe. Eh bien, moi, ça m'emmène dans ce monde des elfes. Après, j'en ai d'autres, des oracles. Hein. J'ai celui des fées et des lutins, par exemple. Mais voilà, ici, c'est vraiment dans le monde, soit dans le monde invisible,
soit dans un nouveau monde, dans un monde intérieur. Donc celui-ci, c'est vraiment, il me fait rêver, mais plus au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Parce que bah, la vibration, elle est vraiment très élevée. Regardez ça, si c'est pas joli. Je ne vais pas vous faire une review complète, je crois. Je ne sais pas si je l'avais faite en fait, la review complète. Je ne me rappelle pas. Il faudrait que j'aille voir. C'est pas sûr, mais je vous l'ai montré plusieurs fois dans différents vlogs. Ça, je sais que je vous l'ai montré plusieurs fois. Parce que c'est un oracle qui reste parmi mes préférés au niveau des illustrations. C'est vraiment c'est un jeu qui m'emmène ailleurs. Bon, évidemment, c'est pas le seul, hein. Bon, ici en plus avec un dragon. Donc on a des cartes horizontales. C'est vraiment, voilà, par exemple, cette carte-là, elle résume à elle toute seule l'essence de cet oracle. Donc c'est vraiment le ciel sur la terre, le paradis sur terre. Et c'est vraiment à ça que me fait rêver cet oracle. Donc que ce soit vraiment réellement d'un nouveau monde qui pourrait se dessiner, hein, qui est encore à créer ou qui est en gestation, ou un monde intérieur qui peut déjà ressembler à ça et qui pour moi est le meilleur moyen de le créer à l'extérieur, comme je vous disais dans la guidance du matin, ben, l'intérieur est comme l'extérieur. Et puis, aussi, cet autre monde qui est déjà là et qui est invisible, mais auquel on peut rêver, auquel on peut se connecter, si on le veut. Et ce jeu permet vraiment de le faire. Donc voilà, ça, celui-là, il me fait rêver au niveau vraiment de l'esprit, au niveau spirituel, d'un autre monde, d'un nouveau monde. Voilà. Et maintenant, un jeu que j'ai depuis très peu de temps. Je vous ai tourné la review, mais je ne vous l'ai pas encore mise en ligne. C'est l'oracle des murmures hawaïens d'Angela Hartfield, illustré par Christina De Hoff. Et alors celui-ci, par contre, alors c'est comique parce qu'on est aussi dans des vers, mais celui-ci il est un peu plus profond. Donc c'est un petit peu comme si on avait le vers. C'est assez comique d'ailleurs. Regardez, je vais vous montrer parce que ça vaut quand même le coup. Donc on a ce vers qui est un peu plus éthéré. Un peu plus, oui, on pourrait dire un peu plus spirituel. Et puis on a ce vers profond qui peut nous faire croire ou penser plutôt à quelque chose de beaucoup plus ancré. Et en fait, c'est le cas. C'est que celui-ci, donc, il va me faire rêver carrément, bah, à Hawaï. Pas nécessairement que Hawaï, mais à, ben, à ces endroits paradisiaques qui existent réellement sur Terre, mais qui existent déjà et qui sont là sur Terre maintenant. Donc on a un beau livre quand même. Donc on a chaque fois la carte en noir et blanc et puis le message de la carte. Voilà. Puis on a sur Angela Hartfield et sur l'illustratrice.
Mais de toute façon, je vous ai fait la review, donc je ne m'attarde pas. Alors, on a le pochon qui est assorti à la boîte. Ça, c'est sympa parce que ça change des pochons dorés. Et franchement, j'aime beaucoup. Et puis, ben, voici les cartes. Et c'est assez évident que il m'emmène totalement ailleurs. Mais là, il m'emmène vraiment dans un autre lieu qui existe, on va dire. Il m'emmène à Hawaï. Regardez le dos. Alors, celui-ci, par contre, je le trouve magnifique. Et donc, voilà, celui-ci, il est plus ancré. Ce sont des paysages bien terrestres ou des personnages bien terrestres. Bon, même si on a des personnages mythiques, ici on a quand même une sirène, mais... Et puis on a des symboles qui sont quand même un peu spirituels, parce que Angela Harfield, c'est quand même un grand nom dans le monde spirituel. Mais on a quand même vraiment... Ici, la référence à un lieu qui existe vraiment. Je vais quand même passer aussi un petit peu plus vite puisque je vous ai fait la review que je vais bientôt mettre en ligne. Mais je ne sais pas encore quand. J'en ai tourné plusieurs. Je vais vous les mettre dans les jours qui viennent. Mais je me suis dit que ça pourrait être chouette de faire ce petit tag qui n'était pas très long à préparer, puisque pour le coup, j'ai très vite eu en tête ce que je voulais vous présenter, parce que le Lemurian, c'est un incontournable pour moi, et celui-ci, il vient d'arriver chez moi, vraiment parce que c'est l'oracle que je veux, enfin, c'est l'oracle vraiment que je voulais pour m'évader. Après, j'en ai d'autres. Hein. Mais il fallait faire un choix. C'était deux oracles qui me font rêver pour le moment. Et pour le moment, eh bien, on peut dire que ce sont ces deux-là. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tag. En réponse à Rominou, guidance et oracle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à reprendre le tag, hein. Ça pourrait être sympa de voir quels sont vos choix pour le moment. Pour ceux qui ont des chaînes, ça pourrait être chouette. C'est un petit tag rapide, on va dire, mais intéressant et sympa, surtout très sympa. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.